Let me tell you, people, hey, revolution rising. Yeah, yeah. Proof. Yes. Watch out. Yeah. Giving us the run around. They're giving us the run around. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de trésors. Allez! Dans la littérature, les films d'aventure ou les médias en général, les chasseurs de trésors font toujours autant rêver et intriguent le plus grand nombre. Dans la fiction, on les représente souvent à la recherche de butins perdus et on est pourtant loin d'imaginer que ces personnages existent bel et bien et leurs découvertes également. C'est justement ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui au travers de deux exemples, l'histoire de ces chasseurs de trésors pourtant bien réels. Heinrich Schliemann est un homme d'affaires de profession qui va étudier en 1866 les sciences de l'Antiquité ainsi que les langues orientales, études qui le mèneront finalement vers un doctorat en archéologie et qui vont surtout lui donner le goût de l'aventure. Il parcourt donc plusieurs pays afin d'en apprendre toujours davantage, comme l'Égypte ou les Indes, mais c'est finalement son voyage en Grèce en 1868 qui va changer les choses. En 1870, il entame les fouilles sur la butte d'Hissarlik, alors persuadé que certains écrits anciens comme l'Iliade ou l'Odyssée retracent de véritables faits historiques. Mais ses recherches, parties d'un postulat assez large, vont étonnamment aboutir. Il va mettre au jour les ruines d'une ville ancienne qu'il va instantanément lier à la célèbre Troie. En fait, le site avait déjà été excavé par un autre archéologue nommé Frank Calvert. Ce serait même lui qui aurait en premier identifié le lieu comme la possible Troie. Mais c'est Schliemann qui va procéder aux fouilles de grande ampleur sur le site. Au passage, en ne conservant rien des objets archéologiques trouvés datant d'une autre époque que celle de Troie. Parce qu'on s'en fout, hein. Enfin, pour être objectif, il faut rappeler que les fouilles se passent en 1871, soit bien avant que l'archéologie ne se développe comme un champ professionnel à part entière. Donc les méthodes étaient parfois un peu hasardeuses. L'homme voulait donc vraiment découvrir un trésor qui lui permettrait de prouver que les récits d'Homère, dont vous l'aurez compris, il était un petit peu fan, étaient historiquement valides. C'est donc dans ce flou artistique en termes de fouilles que le 31 mai 1873, après avoir mis au jour des vestiges inintéressants à ses yeux, hein, puisque c'était pas trois, qu'il découvre finalement un amoncellement d'or le mettant sur la piste. L'homme va tout simplement, petit à petit, mettre au jour un trésor inestimable, composé de boucliers, pots, vases, diadèmes, bijoux en or et autres objets. Face à une telle découverte, Heinrich a alors pris la décision de ne rien dire aux autorités du pays, parce qu'il avait pas forcément envie que le butin soit distribué en mode YOLO, et donc il s'enfuit avec vers Athènes. Bon, finalement, le gouvernement ottoman l'a quand même retrouvé, hein, il a été mis en procès, et d'ailleurs il a dû reverser une petite partie du trésor au gouvernement, et c'était une partie pas forcément très intéressante, donc il s'en tire plutôt bien. Donc finalement, Heinrich a pu le proposer à la vente à diverses institutions comme le musée du Louvre, qui ont souvent refusé, mais finalement il sera dispatché entre plusieurs musées, et il sera exposé en de nombreuses occasions. Même si la rigueur archéologique et les datations n'ont pas toujours été très correctes chez Schliemann, il a tout de même énormément apporté à l'archéologie grecque, et le trésor de Priam est une des plus belles découvertes du milieu. Anecdote amusante, Heinrich parlait plus de 6 langues qu'il avait apprises en apprenant par cœur des bouquins dans leur langue originale. Il était également tellement passionné par les récits d'Homère qu'il appela sa fille Andromaque et son fils Agamemnon, sans parler du fait qu'il a tout seul baptisé les deux enfants en plaçant une copie de l'Iliade sur leur crâne et en récitant des centaines de lignes de celui-ci. Voilà voilà. Mel Fisher est un fermier éleveur de poules dans l'Indiana qui rêve d'aventure. Il déménage donc en Californie afin d'ouvrir son magasin de plongée. Mel est un passionné de chasse au trésor, et il ne rêve que d'une chose, trouver son propre butin. En 1969, Mel Fisher et son équipe familiale se mettent donc en quête de découvertes, et leur attention se porte vers un galion espagnol du XVIIe siècle, la Nuestra Señora de Atocha, coulée dans une tempête au large de la Floride. Ils commencent donc dans une passion délirante sa recherche du trésor, qui durera finalement près de 16 ans.
Après des années de recherche, en passant parfois plusieurs mois sans aucune piste, ils arrivent finalement à mettre la main sur quelques artefacts annonciateurs de la proximité du galion. En 1973, il découvre trois lingots d'argent qu'il réussit à identifier comme appartenant à l'Atocha, grâce à leur numérotation. Les recherches continuent donc, et c'est le 20 juillet 1985 que le bateau est enfin repéré. L'excavation commence alors, mettant au jour un trésor de 40 tonnes d'argent et d'or, avec quelques 144 000 pièces espagnoles en argent. L'histoire est quand même juste surréaliste, celle d'un fermier rêvant d'aventure qui va découvrir le trésor inestimable d'un galion espagnol. Pour tous ceux d'entre vous qui rêveraient de vivre une histoire similaire, sachez tout de même que l'homme a beaucoup perdu dans l'aventure, puisque son fils ainsi que sa femme sont morts noyés dans le naufrage d'un des bateaux de plongée juste quelques temps avant la découverte. Mel Fisher a aujourd'hui ouvert son propre musée afin d'exposer le trésor, et malgré la caricature qu'il peut représenter pour certains, il a tout de même contribué à sa façon, en inventant par exemple un des premiers systèmes d'aspiration du sable afin de fouiller les fonds marins. Ces deux personnages, pourtant drastiquement opposés, ont tous les deux réussi à mettre la main sur un trésor inestimable, avec cependant un point commun, la passion et l'envie suprême de mettre au jour une découverte incroyable. Il suffit parfois de peu de choses pour passer du rêve à la réalité, comme j'ai souhaité vous le montrer aujourd'hui au travers de ces deux exemples. Et des chasseurs de trésors aux histoires incroyables, il y en a eu des tas, et si jamais le sujet vous intéresse, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, et je pourrais pourquoi pas refaire un épisode sur le sujet. En revanche, à défaut d'entendre une autre histoire dans le genre pour aujourd'hui, je vous propose par contre de devenir vous-même chasseur de trésors le temps d'une aventure. En fait, j'ai eu la chance de travailler avec les éditions du Trésor afin de vous proposer aujourd'hui une vraie aventure, une vraie chasse au trésor, avec à la clé un butin de 50 000 euros. On parle toujours dans les revues du monde de trésors ou d'histoires d'aventure, et j'ai vraiment voulu pour une fois vous faire passer de l'imaginaire à la réalité en vous proposant un véritable jeu accessible à tous. Donc pour tous ceux qui rêvent de découverte, je vais vous expliquer vite fait le principe. La chasse est organisée sous la forme d'un livre avec 11 énigmes à l'intérieur. Un coffre au trésor a lui été caché quelque part en France métropolitaine par un mystérieux libraire. Et donc pour le retrouver, il vous faudra décrypter les énigmes à l'intérieur du livre afin de localiser l'endroit précis en France où est enterré le trésor. Si vous réussissez, il ne vous restera plus qu'à le déterrer et le contenu du coffre vous appartiendra. Concernant la contenance de ce fameux trésor, il s'agit en fait d'un coffre rempli de 150 pièces d'or et d'argent, ainsi que 50 pierres précieuses, donc des diamants, des saphirs, de l'émeraude, etc. D'une valeur totale estimée donc à 50 000 euros. Pour le livre en lui-même, il est composé de 11 énigmes de difficultés variables, avec des sortes de jeux à l'intérieur, des textes énigmatiques, etc. Pour vous proposer cette chasse, les auteurs du livre se sont inspirés de la littérature d'aventure, donc en passant de L'île au trésor par Tintin ou Jules Verne. Pour tous ceux qui aiment cette ambiance, vous allez vraiment prendre plaisir avec ce livre. Et donc j'avais entendu parler du projet via les éditions du Trésor qui m'avaient contacté à ce sujet, et je trouvais ça juste génial comme initiative que de proposer une véritable chasse au trésor à des personnes comme vous et moi. Donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle quand même du projet. Donc si jamais vous aussi vous avez envie de participer à la chasse, je vous laisserai tous les liens dans la barre de description afin de commander le livre jusqu'à fin novembre. Voilà, ce sera tout pour cet épisode. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ça n'est toujours pas fait. J'ai essayé d'innover un petit peu cette fois-ci et de vous proposer un cadre un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Vous pouvez également me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, à savoir Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas surtout d'aller jeter un coup d'œil à ma page Tipeee de l'émission qui est juste ici et qui vous permettra de me soutenir financièrement si vous en avez envie, c'est donner 1 ou 2 euros comme vous le souhaitez, et ça me ferait super plaisir. Voilà, ce sera tout pour l'instant, et en attendant, je vous dis au revoir et à très vite pour de nouvelles aventures. Les enfants crient, les enfants pleurent. Les enfants ruinent mon son. Je sais pas toi, mais je trouve que ça sent vachement les classes de SVT. C'est quand t'étais en biologie et tout au collège. Ça sent la grenouille disséquée. Fun putain. Je suis censée les mettre où les pièces, vraiment ? Là. Les haltères, switch.
Ouais, bah je refais le canoë alors. Le canoë, le parc de traction maintenant. Pas mal. Hein, quoi? Le parc de traction. Tac, 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 tac. Oui! Oui. C'est extrêmement gênant, hein. Tu connais la blague de la chaise? Elle est pliante. Désolé! Faut que j'arrête ça. Mais t'es trop loin, je peux pas faire ça! Je peux faire...